Alors, pour cette PLL A, donc la AA, puisque c'est la première des deux A, où les trois coins tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, quand on n'a pas d'AUF, qu'on a la formule droite devant nous comme ça, on se place ici, avec les mains comme ça, donc trois doigts là sur la face de derrière, le pouce là, ici le pouce bien sur la face du haut pour bien contrôler cette couronne, et l'index qui est là va être posé sur le coin. C'est très important parce qu'on va faire R', et là l'index va directement pousser pour faire UR'. Et là, sans bouger la main droite, il va falloir faire D2 avec la main gauche. Et là, vous avez le choix, soit utiliser annulaire puis majeur, soit utiliser petit doigt puis annulaire. Donc, entraînez-vous beaucoup sur les deux, et après beaucoup d'entraînement, vous verrez lequel est le mieux pour vous. Par exemple, pour moi, le mieux, c'est l'annulaire majeur. Puisque vous voyez que j'arrive à faire cette formule en moins de 9 dixièmes de seconde, en faisant comme ça. Mais par exemple, le champion du monde Félix Zemdegs, lui, fait petit doigt annulaire. Donc les deux sont très bien. Après, c'est vraiment à vous de voir. Donc entraînez-vous et voyez comment vous voulez faire. Donc ensuite, après le D2, on est toujours comme ça. La main droite ne bouge jamais, en fait, dans la formule. Là, on va faire R, U', R'. Et là, rebelote. Donc pour moi ça va être annulaire majeur. Donc le D2 il faut qu'il soit super rapide. Si vous n'avez pas des très grandes mains comme moi, je pense que le plus facile à faire c'est essayer de faire petit doigt annulaire. Et donc là la main elle est là toujours, R2 tout simplement pour finir assez rapidement. Donc je vais la refaire. Vous êtes comme ça. R', UR', D2. R', R', D2, R2. Donc il faut essayer de minimiser au maximum les pauses, par exemple entre le dernier D2 et le dernier R2. Bah, pour essayer de ne pas perdre quelques petites centièmes de seconde par-ci par-là, ça peut toujours être pas mal quand on fait attention à plein de petits détails. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Et n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous avez la moindre question. Voilà.